frère a apporté de très beaux vêtements. Oui. Elle a tout apporté en rose. Eh bien, Malak, que veux-tu? Que devrions-nous avoir? Un fils ou une fille? Je ne veux rien. Vous n'êtes pas excité d'avoir cet enfant? Votre frère apporte tellement pour votre enfant. Vêtements. Jouets. Fruits. Tu es. Je ne lui ai encore rien apporté. Je te dis. Je ne suis pas enthousiasmé par cet enfant. Cet enfant ne vous intéresse pas. Pourquoi? Je ne voulais pas faire ce mariage. Je ne veux pas d'enfant. Je ne veux rien de la vie. Alors qu'attends-tu de cette vie? Tu veux savoir ce que je veux de cette vie? Alors écoute-moi attentivement. Toute ma vie, j'ai vu des rêves. Que je devrais avoir un grand magasin comme celui-ci. Et je sors d'une voiture BGI comme ça. Je devrais porter une montre chère, et des chaussures chères, avec une très belle robe. Et quand j'entre dans le magasin alors, les mensonges se forment, toute ma vie. Je n'ai pas pesé plus d'un demi-kilogramme. Je me suis épuisé. Je suis coincé entre 0 et 5 dans ma vie. Je veux aussi que les gros commerçants m'appellent. Bonjour Monsieur Malak. Pouvez-vous nous donner 500 kg de sucre? Envoyez-nous 400 kg d'huile. Envoyez-nous 10 tonnes de farine pour nous. Sœur Malak, les courses sont terminées dans les maisons. Votre commande n'est pas encore arrivée. Ce qui s'est passé? Plus que ça. Si je m'en débarrassais. Papa m'a fait aller à son magasin de lait et yaourt. Donne-moi un petit verre de babeurre. Pesez ce demi-kilogramme de yaourt. C'est la limite. Est-ce que quelqu'un m'a déjà demandé? Qu'est-ce que j'attends de la vie? J'avais aussi parfois envie que je réussisse quelque chose et je deviens un gros commerçant. Le jour, je vais réussir. Tu verras, tout ce quartier verra. Quand j'irai dans une grosse voiture comme celle-ci, en défense, j'aurai un grand magasin là-bas et ce sera écrit en haut. Magasin départemental Malak. Pour tout le monde. C'est ce que je voulais de la vie. J'étais introduit avec force dans votre vie? Quoi qu'il soit arrivé dans ma vie, cela a été fait avec force. Toute ma vie. Écoute papa. Écoute maman. Écoute les frères. J'ai écouté tout le monde. Quelqu'un m'écoute aussi. Mais le jour où je réussirai, alors tout le monde saura. Comment réussir ?